Et le DRC Skull, de retour sur Rimworld. On est dans la merde, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Jenkins est en train de littéralement crever de faim, mais il va se faire nourrir par Muguet. Jenkins doit récupérer son fusil. Maintenant, je sais qu'on a assez de cloth pour faire cette table de billard, donc on va l'annuler. Une chose est sûre, c'est que j'ai pris un petit moment pour regarder un peu ce que j'ai autour de moi avant que j'appuie sur le bouton de record, et j'ai repéré tout à l'heure du style qui était en mode interdiction de prendre. Donc ça serait bien que je le retrouve pour l'autoriser. Non, c'est pas possible. Ah, le voilà. Donc là, je fais hop, celui-là, on le prend. Je sais qu'il y a des camarades dans le coin, donc là, celui-là, on l'autorise. Et là, il y en a aussi ici. On peut autoriser à prendre. Je sais pas comment ils sont atterris là. Je pense que je les ai en fait jamais vus. Et accessoirement, j'ai vu ceci avant d'appuyer sur le bouton record. Et ce qu'on m'a demandé, c'est qu'on allait désigner pour la déconstruction. Qui est un très bon album de Devin Townsend, accessoirement, que je recommande à tous. Très très hardcore, mais bon, faut aimer quoi. Et donc, c'est parti. On va y aller doucement pour le moment. Accessoirement, j'ai... Oh, for fuck's sake, c'est pas le moment. Et j'ai même pas le temps de dire ce que je voulais dire. Ok, c'est reparti. Donc, c'est le raid. Jump to location. J'ai pas regardé le message pour voir s'ils attaquaient tout de suite ou pas. J'ai l'impression qu'ils vont attendre un peu un moment. Yes, ils vont attendre un peu un moment. Ce qui nous laisse le temps, en urgence, de remettre sur pied Jeanquin, qui s'est levé et qui est... T'aurais pas mieux fait de rester au lit par hasard, vu ton état, surtout que Muguet t'apportait la bouffe au lit, hein. Je veux pas dire, c'était quand même un bon médecin. Hein. Ok, alors toi, tu me fais un peu peur, aller là-bas, comme ça. On va attendre, voir quand est-ce qu'ils arrivent, je surveille de loin, je les laisse faire un peu leur petite vie, ils ont du taf normalement, tous. Donc il n'y a pas de problème, je vais juste regarder quand est-ce qu'ils arrivent là, en mode... Allez-y les gars, je vous attends. Ok, alors surtout, faut que je capte quand est-ce que... Pipoun, commissaire, is fully healed. Oh yes, major break risk, Muguet. Alors, le truc c'est que Muguet, normalement, hit stroke minor... Ah oui, c'est parce que t'es en train d'aller... Bah, écoute, t'en as déconstruit un, avec t'as gagné du style. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir, de toute manière, le raid arrive là. Donc tu vas revenir te foutre dans le freezer, juste 2 minutes pour te rafraîchir un peu. Oui, Jeanquin. Mais Jeanquin, tu devrais aller au lit, en vérité, quand t'es malade. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cet homme peut nous faire bouffer. Et cet homme va s'équiper du fusil, accessoirement. Et puis aussi, tu vas aller... Quoi? Rescue? Cleaning blood? Non. Not a sign to hunting. Ah bah merde. D'accord, mais au pire, c'est Pipoun qui va aller le transporter dans le... We'll never do cleaning. Ah, putain. Ok, donc Muguet revient ici. Jenkins, t'as l'air en forme, mais ce serait mieux que t'ailles te reposer quand même. Donc on va laisser ça comme ça. Donc là, on va avoir un message en haut de l'écran quand ils vont passer à l'attaque, en fait. Ou alors, rescue rat. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Alors, rescue rat, parce qu'en fait, c'est neutre. Je suis sûr que c'est ça. Débarras. Non, pimpon. Non, c'est pas l'heure. Ce que tu peux faire à la limite, c'est que là, on a des dos. Tu vas nous prendre H10, H13 et un buck. Écoute, moi je pense que les dos d'H13, ils ont une viande meilleure que les dos d'H10. Donc à la limite, ce que tu peux faire, c'est que celui-là, on peut le désigner pour le hunt et que tu vas me prioritiser le hunting de ça. Donc, hop. Drafter et. Mêlée attaque. Oh, j'ai fait une connerie. Et en plus, ils attaquent. Où est Jeanquin? Jeanquin, il faut que tu lâches ça de suite. Ok, alors actuellement, il faut que tu te lèves. Je suis désolé, mec. Tu te lèves, tu reprends ton couteau. Et pimpon, tu viens ici. Oh putain, c'est le stress. Ensuite, Muguet, pareil. Tu viens drafted ici. Oh la vache, ok, tous les trois. Non, drafted, ici, voilà, hop, c'est parti. Guilty, Muguet, Escalipions, y'a pas... Y'a... Rotting. Oh non! Oh non, Skull, il dort avec un mort, quoi! Ok, et... Non, Jenkins, tu... Equip the Plastic Knife.
Et Pimpon, tu viens ici. Guilty, tu te prépares parce qu'ils arrivent. Et Muguet, pareil, tu te mets juste ici pour les accueillir. Ok, Pimpon, tu prends ça. Ok, on est bon. Jenkins, pareil, tu viens là. Pimpon, tu viens ici. Et là, normalement, ils attaquent par où, là? Où est-ce qu'ils sont? Ok, ils sont là. Ils arrivent tout droit, les gars. Vous pouvez pas les louper. Ok, on va voir ce qu'ils font pour le moment. Donc là, il y en a deux qui arrivent en bas. Oh là. Ça, c'est Pimpon. C'est complètement à côté, ça, Pimpon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui. Ok, donc commencer par lui, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Muguet, ça, ça va pas. Mets les attaques. Je sais que t'as chaud, mais là, faut y aller, là. Oh, l'alpaca! Oh, l'alpaca pour le clutch! Oh, c'est merveilleux! On pourra peut-être le faire prisonnier, lui. Vu qu'on s'est fini la dernière fois, j'hésite, mais... Ok, venez ici. L'autre, il est où? Il en manque un, je le sais. Il en manque un. Ça va, il est pas en train d'attaquer Stull. Il attaque un mur comme un idiot. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Jenkins, en fait, je vais te retourner à tes activités. Et ton activité, ça va être ça. Parce que je sens que je vais pouvoir les gérer comme ça, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est Guilty. Non, Pimpon, il va se placer là. Et Guilty va se placer là. Et Muguet va se placer là. Et là, regardez ce qui va se passer. Oh putain, non. Guilty ici. Pimpon. Pimpon. Là, et Muguet là-devant. Oh, l'alpaca! Le clutch! Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il a poussé dedans, quoi. Major break risk, Muguet. Tu y arrives, mec. Ok, c'est bon, les gars. On y est presque. Vous m'attaquez, ce mec-là. Vous vous foutez là. Alors, les tireurs. Tiens, Pimpon, tu te sers du mur, là. Guilty, tu te sers de j'en sais rien. Et Muguet, tu vas m'achever. C'est bon, il s'en va. Il s'en va, undrafted, stripez-moi cet homme, à poil, de même, et lui, on va regarder ses stats, parce que je crois qu'il est shooting, melee, growing, tout smart. D'accord. Eh ben c'est cool ça. C'est bien. Gay! Attracted to people over own gender. Eh ben, why not? Pourquoi pas? Cela m'est égal. C'est parti. Hop. Et lui, il est... Oh, lui, on peut le prendre aussi. Shooting! Il nous faut les deux. Il nous faut les deux, et en priorité, lui, parce qu'il a un shooting x2. Et les shootings, on n'en a pas beaucoup. Donc, Muguet, strip-moi cet homme. Accessoirement guilty, est-ce que tu peux, s'il te plaît, consume Forbidden. Ah oui, non, merde. Hop. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dégager ça de l'endroit. Ensuite, tu Pimpon, est-ce que tu vas... tu touches rien. J'ai pas le temps pour ces bêtises, Pimpon. Strip-moi cet homme. Strip-moi cet homme. Yes. Ensuite, guilty, tant que je t'ai... Hop, tu viens là et tu me captures cet homme. Tu lui mets dans le lit. Voilà, on lui met pas de torche. Ouais, si, j'ai un petit cœur quand même qui bat à l'intérieur. Je vais lui mettre une petite torche. Mais vraiment, parce que... Bon. Vraiment parce que je suis un replace. Je vais le dire. Alors, ok, on a rescue. Alors, je sais pas à quel moment on a eu un rat. Je pense que Guilty, il a vu le rat, il a fait « Oh, il est trop mignon !» Ça m'étonnerait. Guilty, donc là, il va se coucher parce qu'il a besoin de se faire soigner. Ce qui est génial parce qu'en fait, nous avons zéro, absolument zéro médecine. Donc là, si Guilty a un problème... Putain. Ou si Jenkins a un problème, on pourra pas les soigner. Donc... Oh putain, cut off left ear. Oh là là, Jenkins, t'as perdu ton oreille gauche, mec. Oh, je m'en remets pas. C'est quoi cette aventure? Mon premier... Et les alpacas, ils carrient la game aussi. Hein. Franchement, ils carrient la game. Hein. Ok, alors on va attendre que Muguet ou Skull soient disponibles. Là, je pense qu'ils ne seront pas disponibles avant un moment. Là, il essaie de soigner Guilty comme il peut. Pour résoudre le problème, parce qu'il n'avait pas de médecine. Alors, accessoirement, Pimpon, je sais que t'es bon. T'es censé être bon en tir, mais là, si tu veux... Ok, j'ai rien dit. C'est bon. Alors, pourquoi je vais désigner des choses pour la chasse? Par exemple, ce faisant, là. Turkey, on va la désigner pour la chasse aussi. Pourquoi? Parce que ça fait du lever. Et le lever, on va en avoir besoin pour faire des choses. Wow, what the what? C'est impossible! Il n'arrive que des trucs mauvais! Donc là, plus d'électrique device. Donc on peut pas faire de repas. Putain, c'est vraiment la misère de chez la misère, là.
Mais sur quoi tu tires là? Mais sur quoi il tire? Hunting rat. Mais tu vas tirer sur Skull là? Alors, ping-pong, comment te dire? Alors. Alors, viens, viens ici, là, genre, plus près, genre là. Et là maintenant. Fire at the rat. J'ai plus de médecine! Putain, il a pas tué Jenkins. Putain, le calme, le calme. Skull fait de la recherche, on est bon. Muguet s'occupe de Green et cette porte doit rester fermée. Est-ce que. Hold open. When active, your colonist will not close the door. After pressing through. After pressing through. Pour result. On a plus de médecine. Hein. Donc, accessoirement, si jamais on a de la médecine, je voudrais te dire. Prisonnier. Alors, chat and recruit. Ça, c'est pour le. 90%, on l'aura jamais. Ok, bah, release. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le release. Donc, finis de faire ce que t'as à faire. Mais le nourris pas! Je veux le libérer! Donc, ok, donc dès qu'il sera prêt, on va le release. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que Muguet, tu vas capturer lui. Capture. Voilà, hop. Ah non, il va se reposer. Oh, t'as pas tort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Skull de le capturer. Voilà. Alors, j'ai l'impression que Pipou nous carry. C'est ok. Guilty dort parce qu'il a besoin de repos. Alors, on est toujours en heat wave, donc il fait toujours 40 degrés dehors. 43, c'est absolument atroce. Green is no longer incapable of walking. En fait, je m'en fous. Le truc, c'est que. Donc, Skull est en train de réparer Muguet. Là, on peut pas le capturer, lui, parce qu'on n'a pas de. On a vraiment rien pour le garder, en fait. Donc, tu vas nous finir ce truc. Pour faire un autre lit. Fais comme tu peux. Jenkins, avant que vous avez réussi à vous réparer, dis donc, mais c'est absolument génial. Donc là, je pense qu'on revient un peu là sur. On reprend le dessus un peu là. Muguet est full healed. Ok, donc on a vraiment besoin de médecine au plus vite. Le premier bâtisseur qui sera réveillé s'occupera de finir cette pièce. Est-ce que tu peux me finir ce mur, s'il te plaît? Donc là, ça devrait baisser la température un peu la pluie, mais une pluie à 38 degrés, ça doit vraiment être atroce. Hein. Est-ce que Skull, tu peux faire ça? On aura besoin de dégager ça du bâtiment un jour ou l'autre, donc je vais le marquer comme étant prêt. Alors, vous savez quoi? Comme c'est le lit des prisonniers, on s'en fout de qui c'est qui va le faire. On va juste aller dans fourniture, bed, et on va demander au plus mauvais des constructeurs de le faire, Guilty ou Skull. Attends, que fait Guilty? Guilty, il est en train de relaxing socially à 4h du matin. Bah, tu sais quoi? Tu l'as bien mérité. Alors je repère un truc aussi, c'est que j'ai pas envie que mes lamas dorment dehors, genre le cul à l'air. On va faire un animal sleeping spot ici. Oh, mais ça c'est un peu la salle. C'est un peu la salle de. Bah ce sera la salle de repos. Ça sera l'hôpital, ce sera la salle de repos des animaux pour l'instant. Parce que j'ai que ça comme salle. Cela dit, quand j'y pense, je préférerais que les animaux dorment avec. Pourquoi pas dans chacune des chambres. Allez, on va imaginer un truc comme ça. Voilà, donc comme ça, ils iront dormir où ils veulent avec leur maître, quand ils auront leur maître. Ok, le solar flare doit être terminé. Il y a des choses à faire, les gars. Bon courage. Jenkins, qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc il nous a fait sortir Green, qui était impossible à capturer. Donc ce qu'on peut faire, c'est que lui, peut-être, consume. Already hauling. Je pense qu'il est mort. Ouais, je pense que lui, il est décédé. Ok, donc on n'a pas été assez rapide et il est décédé. Skull mange debout. Ok, d'accord. The Solar Flare is ending. Les batteries sont chargées à fond. C'est absolument génial. Je vais en mettre une troisième juste pour... What the what? Zut. A fault in electrical conduit has caused... Je peux plus. C'est pas normal. C'est pas normal. Pimpon, tu y vas. Skull, je sais pas où t'es, mais t'y vas aussi. Extinguishing fire. Tout le monde se sort le doigt du cul et s'en occupe. What? Heatstroke extrême. Oh, rescue Pimpon. Major break Muguet. Il est où Muguet? Develop immunity, heatstroke. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller là-bas le temps que je m'occupe un peu du reste là. Ça c'est le fusil de Pimpon, on va le laisser là le temps que rien du tout. Alors Muguet, est-ce que ça va mieux là? Est-ce que t'as pu ton... Est-ce que t'es...
Heatstroke Serious Needs Naked. Comment ça, naked? Il te manque un pantalon? On n'avait pas strip les gens? Je sens qu'on avait strip les gens pour, leur, pour avoir des pantalons. Mais peut-être qu'ils avaient pas de pantalons en fait. C'est pas possible ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la Wooden Sculptor Table. Ouais, allez, why not, pour quand les gens ils se font chier. On va demander de faire des pantalons là. On va en faire 4. On va en faire 4 et on va essayer de repérer qui c'est qui fait les pantalons là, j'aimerais savoir. Pimpoun, commissaire. Ah oui, Pimpoun. Pimpoun. Quelle horreur. Oh la vache. Est-ce, franchement, cette série est pas bon pour mon petit cœur. Ça, je peux vous l'assurer. Bon. Tout va bien quand même. Tout va bien. Faut juste que les gens fassent leurs choses. Est-ce que maintenant tu te sens mieux? Heatstroke Serious. C'est plus extrême maintenant. C'est Serious. Donc ça va mieux. Disturbed Sick. Mais oui, bonhomme. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Donc écoute, essaye de reprendre les activités. Si ça se passe mal, Severiness Pipoun. Oh putain. Heatstroke extrême. Oh la vache. Faut juste que je peux pas faire mieux. Écoute, là, il fait 43 degrés, même s'il pleut. On n'a pas le passif couleur. On doit refaire en impératif. Alors, ce qu'on peut faire en impératif, c'est des ventilations et plus de couleurs en fait. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va refaire ce truc là qui a explosé. Ici, c'est alimenté. On va pousser le câble jusqu'ici et jusque là pour que tout soit à peu près alimenté. On va faire une redondance avec ça. Donc je pense qu'ils vont le faire progressivement. Ensuite on va essayer de faire des aérations. J'ai vu ça dans le let's play de je sais plus qui là. Et ça a l'air de marcher pas trop mal. Donc on va essayer de faire un couleur. Donc c'est dans température. Donc il y a un couleur qui va aller là. Et une ventilation. Une ventilation qui va aller. Une ici. Et une ici. Et là, les gars, bon courage. Et ce qu'on va faire, c'est que... Qui c'est notre bâtisseur? C'est pas bon, putain. C'est pas grave, Muguet. Tu peux t'en sortir. Minor Break Risk, Mugetsu, Severiness Pipoun. Je t'assure, mec, je fais du mieux que je peux. Et Muguet, tu vas me... Working on Cooler. Et Guilty, tu nous fais des pantalons! Guilty nous fait des pantalons! Et oui, c'est notre Taylor. Il a 5. Vas-y, on y croit. Tu vas gagner ce tournoi. C'est génial. Tu vas y arriver. Qui c'est qui est dispo là? Muguet il travaille là-dessus. Je sais que Skull est encore réveillé. Putain, il vient d'aller se coucher. Jenkins, franchement, ce serait cool que tu fasses la ventilation. J'apprécie que tu fasses du minage, mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de faire la ventilation. Ce serait super important. Guilty, je t'aurais bien fait bosser. Ah, il discute, trop cool. Wooden Billard Table. Ok, donc la ventilation est faite. On va lui demander d'aller à une température de... C'est quoi une température idéale dans une pièce? Neko, c'est quoi la température idéale dans une pièce? 20 degrés? 15? Non, oh, bah merde. Ok, bah, t'es occupé, tu galères. Neko fait un Rocket League pour la première fois. Un moment émouvant. Quelle est la température idéale dans une pièce? Plutôt 20 ou plutôt 15? 20. 20 bon, bah, écoute, je vais mettre 20. Ok, donc 20, c'est qui nous... Oh! Alors attends, c'était où? Alors là, ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, les pierres se sont effondrées et se répètent sur la gueule de Jenkins, mais je l'ai dégagé il y a absolument 2 secondes. Donc c'est la pure luck, la méga pure luck. The heat wave is over! Le vent tourne! Le vent tourne, c'est pour nous tout ça, c'est bon ça. Oh la vache, cette série franchement me... Et Pipoun se lève! Et que fait Pipoun quand il se lève? Il se fait de la construction. S'il est prêt et s'il est radis, c'est nickel. Et là, tout le monde bosse comme des durs. Où est Muguet? Est-ce que Muguet est opérationnel? Muguet est opérationnel. Muguet, tu me fais ce super lit. Et tu vas en faire d'autres juste après. Tu vas en faire un autre. Fourniture, double bed. Et yes, roule. Roule. Et on va lui mettre une petite standing lamp ici. Et ensuite, ils achèvent le mur et on n'en parle plus. Skull vient de se réveiller, on est en vitesse x3, il fait 21 degrés, dans cette pièce il fait absolument 20 degrés. Ici il fait 6 degrés, ça serait bien qu'on en installe un autre vu qu'on a du steel. On en a combien du steel? 200, je veux bien faire un deuxième couleur, ça nous permet de survivre au heat wave. Fourniture, température, couleur, et tu veux m'en faire un deuxième. Est-ce que je peux faire juste à côté au moins? Je pense, hein. Bah voilà, allez roule. On va mettre 2 couleurs l'un à côté des autres. Accessoirement, un truc qu'il faudrait à l'avenir aussi, c'est agrandir la taille de ce freezer-là.
Peut-être en dégageant une des plantations, parce qu'on a déjà tout ça, et c'est peut-être pas nécessaire. Alors notre situation de bouffe se tient bien. On a demandé à Jenny de nous faire 50 repas, et ça se passe plutôt pas mal. Là, Skull doit être en train de bosser, yes. Il est en train de capturer le steel. Oh, c'est génial, parce que le steel, ça peut être rapidement la galère. Actuellement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est demander à mettre en place une table à faire de... Une table à faire du stone cutting. Malheureusement, Skull n'a pas ses priorités dans le bon sens. Je voudrais qu'il mette la recherche en premier. Et pour l'instant, ce qu'il fait, c'est couper des plantes. Je voudrais qu'il recherche, vraiment. Qu'il soit docteur et qu'il recherche. Donc là, franchement, s'il pouvait prioriser la recherche, ce serait vraiment bien. Parce qu'on a vraiment besoin de cette recherche le plus rapidement possible. Research is a long term task. Alors ça, je l'ai eu précédemment. Et typiquement, on va retirer Repair, et on va voir s'il l'a fait ou pas. Donc on va prendre Skull. Donc, is a long term task. Ça, c'est parce qu'il y a trop de trucs en priorité. Flick. Ouais, mais t'as besoin de faire tout le reste en priorité. Donc, hop, on reprend. Long term task. Ok, donc on va juste baisser un peu ses priorités, voir si en laissant tous les 1 qu'il y a ici, il peut s'en sortir. Et ça fera le taf. Ça fera le taf. On verra quand il sera allé dormir, quand il se réveillera. Pour l'instant, je vais aller surveiller l'avancement des autres structures. Muguet, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il... All in cloth to billiard table. Ça, c'est absolument génial. C'est vraiment absolument génial. Accessoirement, où en est Guilty? Guilty, training d'eau. Complètement. Complètement. Entraîne-le à l'obéissance, à ce que tu veux. Au release, pourquoi pas, ça nous permet de lâcher sur la tronche de nos ennemis comme d'hab. Et ensuite il va aller super faire du tailoring, c'est génial. J'espère qu'on aura des pantalons très vite. Donc Muguet finit de nous installer tout ça. Il nous a fait un... What? C'est pas toi qui l'ai fait celui-là, je refuse d'y croire. Ah non, c'est pas possible. Oh non, il y a un problème là. Il y a un problème. J'aime pas les lits de mauvaise qualité. Ça m'emmerde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant que quelqu'un utilise ça, on va le demander à déconstruire celui-là. Déconstruire celui-là et déconstruire celui-là. Et tu sais quoi, tu vas nous les refaire immédiatement. C'est donc dans fourniture, double bed. Boum. Voilà. Muguet. Boum, tu me le refais immédiatement. Et Pipoun. Boum. Ça a peut-être foiré un peu vos emplacements, les gars, et vos chambres, mais bon. Faut ce qu'il faut. Hein. La billard table, on a du cloth. On a du cloth parce qu'on avait fait une première moisson, si je me souviens bien. La médecine arrive bientôt, faut y croire. Faut y croire. Alors, hop, hop. On va transporter tout ça hors de la pièce. Ça serait pas mal. Accessoirement, ça serait bien qu'on puisse couper des pierres pour faire des murs plus forts. Et pourquoi je voudrais faire des murs plus forts? Pour faire des défenses. Genre un mur qui fait tout le tour de la base et ensuite engouffrer les ennemis dans un point stratégique. Et les buter tranquillement, quoi. Voilà, voilà. Accessoirement, nos batteries tiennent le coup. Et ça, c'est génial. Est-ce que j'en fais une troisième? Oui, ça servira toujours. Donc, power. Alors, j'entends que ça s'agite à côté de moi. J'espère que Muguet a eu le temps de faire tous les lits pour que tout le monde puisse pioncer en paix. Non, il les a pas fait. Nom de Dieu. Est-ce que tout le monde a de quoi pioncer? Oui, tout le monde a de quoi pioncer, cependant. Donc, c'est parfait. Du coup, temporairement, ils sont allés pioncer là. Et donc voilà, donc on est à Skull. Skull qui doit... Ok, donc là, il y a un problème. 2-2-2-2. Là, normalement, t'as pas de raison, tu vas aller rechercher. C'est pas possible. J'ose pas y croire. Il y a un gros problème là. Cannot is a long term research. Work. 3-3-3-3. Normalement, il devrait le faire par lui-même. Oui. Voilà, c'est complètement n'importe quoi ce que je fais là. All 1. Ah, c'est parce qu'il met All en priorité, je suis sûr. C'est parce qu'il met All en priorité. Yes! C'était donc ça. Donc je peux lui remettre à peu près. C'est juste que. Donc ça, je pense que ça va pas revenir en 1. Ça aussi. Ça aussi. Donc il faut qu'il y ait vraiment 0 priorité, quoi. Et le flic à 1. Voilà. Donc c'est juste le Hall qu'il fallait passer à 2. Le reste, on va le mettre en... Oh putain, oui, Warden, tu vas être Warden, toi. 10 et 10. Le problème, c'est mieux d'avoir un seul Warden. Ok, c'est ça. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est ok. En 2, allez. Le Hunt, pas trop. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui manque têteur d'appareil. Est-ce qu'il nous a fait des... Est-ce que tu nous as fait des pantalons? Oh, Guilty nous fait de l'art. Il nous fait de l'art. Oh.
Il a fini de faire des pantalons? Vraiment? Bah oui, vu que Muguet a maintenant un pantalon. Bah écoute, Guilty, maintenant que t'as fait des pantalons, tu vas nous faire des t-shirts ou des jackets? Il y a des parkas aussi pour l'hiver. Bah tu vas nous faire... combien on est? On est 5. Tu vas nous faire 5 parkas. Tu vas nous faire 5 t-shirts surtout, je pense. C'est en priorité, ça. Et tu vas nous refaire 2-3 pantalons. Juste pour les stocker. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout stocker là-haut. Donc je vais la prévoir maintenant, cette zone-là. On va faire une stockpile zone. Et en fait, ici, on va faire l'endroit où on va foutre tout le... En fait, c'est bête. En fait, c'est juste méga bête. Est-ce qu'il faudrait... Donc cette zone-là, pour l'instant, là, on va juste la supprimer. On va garder ce placement-là pour plus tard, quand j'aurai une meilleure idée de quoi mettre dedans. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est une zone où poser tout ce qui est pas de la pierre. Genre un énorme machin où on pose des armes, des vêtements, des trucs comme ça. Et cette zone-là, elle pourrait simplement se placer ici. Et après, cette zone de pierre, là, on pourrait la foutre à l'endroit où on littéralement fait de la pierre, quoi. Donc, à la limite, simplement, en fait. On va ici dans structure, on garde un peu la forme de notre storage area qui est actuellement en place. Et on fait juste un bâtiment comme ça, on garde deux d'espace entre les bâtiments pour faire genre que ça aère un peu. Et ensuite on fait une dumping stockpile ici. Ensuite on met un mur là avec évidemment des portes un peu partout. Genre... une ici et une là. On va en mettre une là pour faciliter l'accès. Une là. Voilà, c'est très bien. Et donc, ensuite, on va définir une autre zone. Donc là, je mets à fond. Hein. J'espère que je n'arrêterai aucun événement. Et ici, on va déclarer comme étant un endroit où on jette clear all. Donc, on jette rien du tout, sauf des appareils, je crois que c'est ça. Donc, appareils. Ouais, des appareils. Je veux des appareils ici. Donc, je veux des armes. Des parkas, ouais, des appareils, armor vest. Et pour l'instant, on va laisser ça là. Et pour les armes, bon, on va voir combien ça prend de place pour les appareils. Je pense qu'on peut mettre les armes aussi. On va mettre ça et les weapons. Et on va mettre en preferred. Et normalement, les personnes qui sont responsables de faire du hauling devraient. Et Pipoun nous fait des super trucs. Ok, Muguet, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire du harvest? What? Mais non! Mais non! Non, 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 Muguet. Écoute, là, c'est l'heure de te rattraper. T'as plus de ressources pour faire ça, d'accord, bah oui, ça tombe sous le sens. Chop wood. Tiens, regarde, t'as plein d'arbres qui sont revenus à la vie, là. Et tu vas nous prendre tout cela. Allez, bon courage. Donc une fois que tout ça se sera fait... Cela dit, Harvest, c'est très bien aussi, ça permettra à Jenkins qui est opérationnel... Oh putain, ça va mieux maintenant, là. Ça y est, c'est reparti, là. La colonie revient à la vie. Jenkins, si tu pouvais prioriser les... Ah non, on est déjà à 50 meals. Est-ce que maintenant, tu peux nous faire des méga repas? Add bills, find meals. Il peut. Il peut. Donc maintenant, tu vas nous faire des super repas, mon pote. Tu prends tout ce que tu as à disposition, la viande, les trucs comme ça. Ah! En manque de viande? Eh ben, c'est pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un petit squirrel? Eh ben, hop, on va le chasser et on va désigner des choses pour la chasse. Le dos, apparemment, il est pas à nous. Ah non, ça c'est pas à nous ça. Donc le dos, on va le chasser, parce que voilà. On va aussi... Non, on va pas le chasser celui-là, on va le tamer. Voilà, par contre celui-là, le buck, on va le chasser. On va le tamer parce qu'on avait déjà un dos, et si c'est une femelle, ça nous fera des bébés dos, et ce sera très rigolo. Qu'est-ce que je vois comme autre truc à chasser là? Je vois cette... turkey, cette autre turkey... Donc ramenez-nous de la viande là, Pipoun. Hein. Ramenez-nous plein de viande. Hop, celle-ci aussi. Ça, c'est une turkey aussi. On va se la faire. Alors le boomrat, je te fais confiance. Tu essaies de faire en sorte qu'il se pète pas la tronche sur le bâtiment. Et bon chance. Ok, Skull, est-ce que tu nous as fait la research? Qu'est-ce que tu fais là? Meditating le Skull Mesher. Ça, faudrait le voir pour y croire. Faudrait vraiment le voir pour y croire. Pendant que j'y pense, aussi zone, area, expand home. Wouh! Ça, c'est ouf! Et donc maintenant, ce que tu nous fais, c'est le passive cooler. Very great.
Ça fait du bien. Par là où ça passe. Ok, on est revenu à la vie là. Ça y est, on est passé par une phase extrêmement difficile, mais je pense qu'on est bien là. On est vraiment, vraiment bien revenu. Ok, ça, plus tout ça. Et voilà, pour notre zone de maison, plus ça, plus à l'avenir ça. Donc évidemment, là, c'est l'expansion, c'est l'invasion, les graves aussi, pourquoi pas. Allez, hop. À l'avenir, c'est vrai qu'on aurait besoin aussi de cette zone-là. Bon, pour l'instant, on va laisser finir les constructions, tout ça. Skull est en train de rechercher. Il recherche à vitesse d'enfer. Passif couleur, ça va être capital dans le futur pour survivre à l'été. Où est-ce qu'on en est au niveau de nos vêtements? Oh là là, c'est magnifique. Guilty nous fait des super pantalons. Il prend de l'expérience et il nous fait des pantalons en mode normal. On a mis nos... Ah, dis donc, on a mis nos armes ici. T'es équipé de quoi, toi, Skull? Gear. De rien du tout? T'es sérieux, là? Là, nous avons un beau de qualité normale. Tu vas m'équiper ce beau de qualité normale, Skull. Tu vas retourner à l'arc. Ensuite, est-ce que tout le monde est équipé, là? Hunter Lacks Ranged Weapon. Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Tu t'es équipé de quoi, là, Pimpon? De rien du tout? Vraiment? Oh bah bordel. Ah bah oui, t'as oublié d'aller récupérer ça. Donc... Oh merde, je t'ai récupéré. Oh, je suis désolé mec. Je suis désolé. En plein sommeil quoi. Ça c'est fait. Très bien. Oh, flippé. Ok, donc du coup la chasse a repris. C'est la saison de la chasse, c'est parfait. Muguet, prioritise-moi. Need materials. D'accord, c'est normal. Tout le monde est en train de faire des choses. J'espère que tout le monde a la priorité pour chasser les plantes. Chasser les plantes. Non, Pascal, Guilty, oui, Muguet, surtout Muguet, Plant Cut et Jenkins aussi, pourquoi pas, parce que ça nous fait du bois, si j'ai bien compris, donc why not? Alors, Pimpon, tu me fais un peu pitié là, puis en plus, tu fais un barouf pas possible dans mon. Ok, c'est bon, t'as réussi, c'est bon. Je crois en toi, tu sais, hein, tu. Oh yes, on a une seconde. Oh! Et on a de la médecine! Où est-ce qu'il était? Eh, tu l'as touché d'ici? Waouh, chapeau. Attends, là, 2 secondes. Oh là, putain, je le sens mal. Yes, alors là, attends, drafted. Ça, je vais le désigner pour la chasse. Alors, on va attendre que ça touche le bord de la maison. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les stresser un peu... Pour les stresser un peu, on va juste faire ça. Et normalement, quand ça va toucher les bords de la maison, ils vont tous se mettre en mode branle-bas de combat. Et ils vont aller l'éteindre. Ouais, mais il prend une ampleur assez conséquente là. Comment dire? J'ai pas confiance là. C'est genre le bon gros feu d'été de la savane. Ouais, fire. Fire, fire, fire. Ok, les gars, on y croit. Fire encore. J'ai peur là. J'ai vraiment très peur. Ouais, mais là, vous allez devoir combattre le feu tous les quarts d'heure en fait. Mais Pimpon! Mais t'es complètement ouf! Ok, il pleut! J'ai rien dit! C'est passé, nickel! Muguet, qu'est-ce que tu fais? T'es où là? T'as du matos là normalement? Non, t'as pas de matos? On a pas de bois là, sérieux? On a plus de bois, comme ça! Menteur, il y a plein de bois à couper! Ok, c'est juste que tout le monde a plein d'activités à faire! Alors la médecine, on va la mettre dans cette zone là en attendant, parce qu'au moins je sais où elle est! La médecine, où est-ce que ça se trouve? La médecine, ce serait bien qu'on ait une boîte de recherche accessoirement pour classer les trucs comme il faut. Médecine, on va foutre toute la médecine ici. Et puis roule ma poule. Oh, il y a de la Glitter World médecine. Je sais pas comment on fait ça, mais ça doit être intéressant. Qui c'est qui est prioritisé en hauling? En fait, tout le monde a 30 000 choses à faire. Du coup, on a l'impression que ça avance lentement, alors qu'en fait, non, pas du tout. On a des. Oh, mon freezer est rempli. Mais ça a rien à foutre ici. Donc, normalement, storage, on va vérifier que ça c'est bon. Meals, chocolate, kibble, food. C'est pas du food ça pourtant, ça devrait être là. Hein. Ça devrait être là. Alors qu'est-ce que ça glande là du coup? À ce moment-là, on devrait transformer ça en preferred. Ce qu'on va faire, qu'on va la mettre en preferred et celle-ci, on va la mettre en important. Et celle-ci, on va la passer en important aussi. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Tâteur d'appareil, l'eau médecine. C'est ça qui est apparu là? J'ai entendu? D'accord. Alors on commence à dégager les pierres aussi. Bon, en tout cas,
c'est pas mal pour aujourd'hui, je pense. On va se quitter là-dessus. Je vais faire une petite sauvegarde. Tout va mieux. Du coup, on est vachement mieux qu'au début de l'épisode. On a réussi à passer la heatwave et tout ça. Ok, les gars. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé l'épisode 4 de la Colonie Heartless Gaming sur RimWorld. On se retrouve pour l'épisode 5. À la prochaine. Bye bye.